Les députés et sénateurs votent cet après-midi sur l'accord européen de lundi matin sur la Grèce. Oui, un texte qui maintient la Grèce dans la zone euro, qui ouvre la voie à un nouveau plan d'aide financier aux Grecs, mais qui prévoit aussi de nouvelles mesures d'austérité dans ce pays. Alors a priori, le oui devrait largement l'emporter au Sénat comme à l'Assemblée, à gauche d'abord, même si le groupe écologiste par exemple est divisé sur le sujet. C'est ce que nous a expliqué François de Rugy tout à l'heure en direct à 7h. Le député de Loire-Atlantique qui votera pour de son côté. À droite, le groupe Les Républicains semble plutôt penché pour le oui également, mais Yannick Moreau, par exemple, député maire d'Olonne-sur-Mer, n'est pas certain du tout de voter pour. Ce vote, en fait, c'est une supercherie et une manœuvre de diversion. Une supercherie parce qu'on laisse croire aux Français qu'il y a un accord de sauvetage de la zone euro, de l'Union européenne et de la Grèce dans l'Union européenne. Mais en réalité, il n'y a pas d'accord. Le texte qui est issu du sommet du 12 juillet est un texte qui dit « Si vous faites quatre réformes importantes avant la fin du mois de juillet, on pourra envisager de négocier un accord. » Et donc on est loin de l'accord final. Et puis c'est aussi une diversion parce qu'il n'y a aucune obligation pour le chef de l'État de consulter l'Assemblée nationale sur ce thème-là. D'ailleurs, pourquoi seulement l'Assemblée nationale et pas le Sénat ? Tout ça est assez loin des préoccupations des Français qui attendent du président de la République de l'action sur l'emploi, sur la sécurité, sur le chômage, et pas sur des débats avec des votes curieux sur des thèmes européens qui ne sont pas encore aboutis, qui ne sont pas encore mûrs. Voilà, Yannick Moreau, député de Vendée, qui attend de connaître quand même précisément le texte qui sera soumis au vote des députés cet après-midi. S'il s'agit de ce texte issu du sommet des dirigeants de la zone euro lundi, comme c'est probable, il l'annonce, il ne votera pas ce texte.